il y aura Mali, Algérie dans ta poule, tu vas des biens. On prend tout le monde, nous, on a confiance en nous, frère. Bienvenue pour les tirages au sort de la CAN 2021 qui sera organisée à Sarcelles. Donc déjà, merci d'avoir tous répondu présent. Donc vous pouvez applaudir pour ça déjà, merci. On va pouvoir commencer à parler des tirages. Et pour tirer justement les groupes, on va appeler nos deux invités, les Pinitors, joueurs du 3, du 3 et le Sac 3. Entier, je précise. Et Spur de la Pilargo. C'est la Coupe d'Afrique des Nations, mais comme vous le savez, nous avons énormément de communautés dans notre ville. Donc l'appellation est Coupe d'Afrique des Nations, mais on est tous ensemble. Merci à toi, Grand. C'est un plaisir de présenter cet événement avec toi. Donc encore merci à tous les membres de l'organisation de nous avoir fait confiance. Donc on vous souhaite de passer une bonne soirée. Voilà, vous pouvez vous applaudir aussi, merci beaucoup. Et on vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au revoir à tous. Merci. Salam à tous les frères, c'est Riyad. Juste pour vous rappeler que la CAN de Sarcelles débute le 18 juin. C'est là-bas que ça se passe. Ok, la famille, mon Mokobidi 113, grosse dédicace, gros big up à l'une des plus grandes CAN de France, la CAN Sarcelles 2021. Ça va être du très très lourd. Bonne chance à toutes les équipes. On est ensemble. Salut à tous, bonne CAN à la ville de Sarcelles, à côté de ma ville de Garges. On est ensemble. Je vous envoie tout mon soutien. Donnez-vous à fond et que le meilleur gagne. Allez, ciao. Sarcelles, 60 000 habitants pour une soixantaine de nationalités différentes. Sarcelles a toujours eu une identité forte, qu'elle puise à travers son histoire et les différentes cultures de ses habitants. Cette année, une fois de plus, plusieurs habitants issus de différents quartiers de la ville ont décidé d'organiser un tournoi représentatif de cette ville et de son dynamisme. De l'ambiance, du beau jeu, de la convivialité et un esprit de partage comme nulle part ailleurs. Nous vous présentons le plus gros événement de l'année 2021. Comme vous le savez, il y a deux ans, les vainqueurs de la CAN et de l'équipe du Congo, donc c'est le moment de leur remettre leur trophée. Donc j'invite les sélectionneurs, Philippe, accompagné de Rocheur, et vous pouvez leur trophée s'il vous plaît, vous pouvez leur applaudir. Bonjour, Patrick Haddad, je suis le maire de Sarcelles. Alors la Coupe d'Afrique des Nations à Sarcelles, c'est l'Afrique au sens élargi. On arrive à avoir un maximum de Sarcellois. Moi je veux féliciter les organisateurs qui le font en partenariat avec la ville. L'état d'esprit est vraiment excellent, que tout le monde s'entend avec tout le monde et qu'on est très fiers d'avoir fait cet événement. Le premier c'était il y a deux ans et là on le fait en beaucoup plus grand. C'est vraiment une grande fête, c'est une grande respiration pour la ville et puis il y a une vraie dimension de fraternité et c'est tous ces éléments-là qui me rendent particulièrement fier d'être le maire de cette ville. Au nom de toute la ville de Sarcelles, on aimerait vous remercier pour tous les efforts que vous avez fournis pour cet événement possible. Et on aimerait aussi vous féliciter parce que ça a été organisé en très très peu de temps. Donc l'année dernière, ça s'est passé, il y a deux ans, ça s'est passé en 2-3 jours, il semble. Donc là, sur deux mois, sincèrement, bien joué les gars. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut les applaudir une nouvelle fois? Jouez petit, à fond, va chercher loin. Si on joue pas...
pas possible. On n'a pas le temps de les aspirer. Aspirez-les, jouez, on a les qualités techniques pour. Voilà, les gars, on leur laisse rien. Si on fait un petit peu, on leur met trois, on est à la bouche. C'est bon, les gars. Sarcelles à côté du stade Riyad Mahrez. Ça fait du bien, mais comme c'est comme s'il y avait la Coupe du Monde à côté de chez moi. Donc ça fait du bien. Pourquoi t'aimes bien voir ce genre d'événement? C'est comme s'il y avait des vrais matchs à côté de chez moi. Ça fait plaisir. Franchement, les événements comme ça, ça anime beaucoup la ville. Ça nous regroupe tous. Ça fait une ambiance familiale. Et j'aime beaucoup cette ambiance. Bonjour à tous, je me présente Cody, membre de l'organisation. Je suis accompagné de Malik, Mohamed Amraoui et le frérot Alpha. On a organisé la CAN en 2 mois. Franchement, on s'est tous investis et on est content. On est dans une ville vraiment où il y a toutes les communautés, Sarcelles. Organiser une CAN avec toutes nos communautés, ça nous fait plaisir. C'est un plaisir qu'on partage avec les gens de la commune et ils nous le rendent bien. On a eu quelques difficultés au niveau du climat, un peu de pluie, mais aujourd'hui on a de la chance. Le temps il est propre, donc ça va bien se passer. Et peut-être le plus grand radical.
calme. Le plus haut de la calme, ballon s'il vous plaît. Tiens. Côte d'Ivoire est qualifié. Hein, ah oui, Côte d'Ivoire est qualifié. Mais la Guinée est éliminée. Ah, Yako. Mais vous allez nous soutenir, oh. Obligé. C'est ça, Toujours. Félicitations au coach du Maroc. Merci frérot. Qu'est-ce que vous avez à dire pour... vous allez jouer la finale contre les Dom Tom? Rendez-vous en finale, on parle pas beaucoup, on n'est pas, les autres maghrébins, on est le Maroc. Nous. Exactement. Et puis surtout, ce qui est super intéressant, disquette contre Devy. C'est ça qui est bon. Et ouais, c'est bon. Eh Devy, voilà, on va te crever. Alors l'ascension, je veux pas dire tout s'est passé comme sorte de roulette. Franchement, on est monté en puissance. Le plus gros adversaire, c'était nous-mêmes. Après, voilà, maintenant on arrive en finale. On va jouer contre une bonne équipe, vraiment une bonne équipe. Moi, je les mettais dans les favoris, personnellement. Une finale, ça se gagne. Hein. Mais pour ça, j'ai pas de doute, comme on va dire. Je suis serein. Je savais que c'était des bons joueurs parce qu'ils avaient gagné auparavant pour les Arcanes, comme à Épinay-sur-Seine, à Besançon aussi. Les 5 sarcellois qu'on devait mettre chez nous, j'en ai mis 7. Et les 7, ce qui m'a arrangé, c'était 7 gros sarcellois. C'était des très très bons joueurs. Et je pense que ça a fait la mayonnaise, elle a pris. On a une bonne osmose dans l'équipe. Et franchement, sincèrement, je n'étais pas venu pour jouer la finale. Hein. À la base, nous, si on est venu, c'est surtout pour mettre du respect sur le drapeau. Et montrer que les Marocains, voilà, on a cet amour du football et du beau jeu surtout. Et je pense qu'on n'a pas déçu grand monde parce que j'ai eu des très très bons retours. Allez, on a tout comme cet après-midi. Donc sur la tête, on va bien venir au Liban. Allez, 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 allez.
Ah non, ça commence. Au niveau des favoris, entre les Dom Tom et le Maroc. Mon favori pour la finale, c'est le Maroc. Hein. Il y a la finale et moi, mon favori, c'est le Maroc. Oh, moi, je veux... Le Maroc. Dom Tom. Moi, c'est le Maroc. Parce que chez les Dom, là, il n'y a que des toucans. Regarde. La preuve, un toucan qui arrive là. C'est bon déjà.
T'as vu? Détendu. Pourquoi vous voulez que je saute quand j'ai gagné? J'avais dit que j'allais gagner. Ouais, j'essaye. Auto, je t'avais dit. Félicitations, mon gars. Hey, Jesse! La canne. Est là. Hey, Alan. Dieu te voit. Hein. Dieu te voit. Il nous a vu, nous a donné trop vite. Alors, toi, Dieu, toi, t'es en enfer. Toi, t'es en enfer. Alors, toi, c'est même plus. Andrew! Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Vous avez un petit discours à faire? T'es parti au Sénégal, t'as appelé les marabouts. Ramène Diallo, ramène qui tu veux, frère. Mais Diallo, où est-ce que c'est mon argent? Qui toi, Mali? Ramène des vrais joueurs. Alors moi, c'est Médric, enfin Madric, président de Maspanam, membre fondateur, un des membres fondateurs de Maspanam. J'ai participé à deux cannes avec deux villes différentes. J'étais pas la même accueil. On a bien été accueillis à la canne de Sarcelles. Bah, l'ambiance, c'était pas pareil que les autres cannes où j'ai été d'ailleurs. Donc l'ambiance a été plus ici, je dirais. On était avec tout le monde en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on était avec tout le monde. Il n'y avait pas de blocage envers le public. Ça sur ça, et vous marquez des points avec un groupe comme nous. On aime bien déjà, on aime bien le public. On aime bien quand il y a du monde autour de nous. Le fait qu'on a eu la possibilité d'avoir du monde autour de nous sur cette canne-là, en tout cas. Donc ça a tout changé. Hein. Donc on venait assez souvent. Il n'y a qu'un seul jour qu'on n'est pas venu. Mais sinon, on est venu tous les jours où les Dom-Tom jouaient et qu'on nous a appelés d'ailleurs. Et franchement, même l'année prochaine, s'il faut refaire, on le refera avec plaisir. Hein. Déjà, on va remercier Nolan pour l'invitation. Et Davy pour l'accueil, le coach des Dom Tom. Et toute l'équipe Maspanam, c'est sûr, ça, connaissent déjà. Et sûrement l'année prochaine, si Dieu veut. La canne de Sarcelles s'est terminée en apothéose, sur une belle victoire de l'équipe des Dom Tom soutenue par sa fanfare. Mais la victoire revient à toute cette ville qui a montré une grande générosité tout au long du tournoi. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour vivre cet événement avec nous. Merci. Et à très bientôt sur Calcium TV.